Viens, garçon, fouette-moi. Alors, tu le regardes pas trop, ce baiser? Mais attends, je peux quand même pas prendre n'importe quel job de base et me faire exploiter pour une misère. Et puis j'ai pas envie d'être la nana que tout le monde monte du doigt. Regarde, rien que cette histoire avec Gaëlle, il y a toujours un connard pour la ramener. Ah ouais, d'accord, alors moi je ramène Patrick, je me fais engueuler et elle, elle pique le pognon et tu t'en fous. Tiens, d'ailleurs, je t'ai rapporté de la tarte aux pommes, comme je sais que t'aimes bien ça. Bah merci, c'est gentil. Pour la vie, pour que rien ne nous sépare, nous écrivons notre histoire. Pour la vie, parce que rien ne nous appartient, nous avançons vers demain. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Samuel Patrick Steiner. Tu sais que ça me met très en colère, les petits garçons qui se prennent pour des caïds, pour des caïds, pour des caïds, pour des caïds. Arrête, tu vas me faire rougir. Sam. Sam. Oh. Oh, tu m'entends ou pas là? Tu te réveilles ou quoi? Oh. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait d'une demi-heure là que tu parles tout seul. Pour tout quoi? Alors ça va? Ce baiser, tu le regrettes pas trop? Alors tu veux bien qu'on continue? C'est super! Tiens! Ton nouveau planning pour ton travail de surveillance. Vous ne devriez pas être en cours de sport, vous? Si, si, monsieur, mais là je me prépare mentalement. Évitez de faire de l'esprit avec moi, Moti, hein. C'est un conseil. Désolée, mais quand je l'ai vu là... Non, mais si t'as honte de sortir avec moi, franchement, c'est pas la peine. Faut que j'aille en cours, là. Non, mais attends 2 minutes. Quand on veut ne plus rien comprendre, l'ultime révérence sa dernière, pas de danse, quand on ne sait plus. Ultime révérence, un dernier pas de danse. Un plus tard vaut mieux qu'un peut-être. Et moi qui pensais te connaître, mais les heures se mêlent, tu sais, tout arrive un jour. Et ces fleurs demain, tu sais, je t'attends. Et nos cœurs
Pour toi, c'était vraiment bien. Vraiment, ta voix, c'est super. Bah, merci, c'est gentil. C'est vrai qu'en même temps, j'étais plus à l'aise, donc... Ouais. Et moi, c'était comment? Toi, c'était bien. Tiens. C'est l'argent de mon deuxième salaire de piano. Bon, bah, salut. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas avec nous? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, tiens, ça, c'est... Attends. Voilà, tout ce que j'ai pu récolter ce week-end au boulot. Bon, je sais que c'est pas beaucoup, mais en même temps, entre les cours, les examens et les horaires de l'internat, je peux vraiment pas faire mieux. Moi, je vais te rapporter 50 euros dans la semaine. J'ai des petites enchères qui grimpent. Ouais. Bah, de toute façon, on est loin du compte. Hein. Alors, si vous voulez qu'on l'achète vraiment, ce logiciel de mix, là, il faut que tout le monde y mette du sien. Ouais. Oui, je sais ce que tu penses. Et moi, qu'est-ce que je rapporte? Mais attends, je peux quand même pas prendre n'importe quel job de base et me faire exploiter pour une misère. Et ton magasin de fringues? Ah, mais c'était super, mon magasin de fringues. C'est juste que je dépensais plus que je gagnais. Donc, j'ai dû partir. Bah quoi? Léa, je peux te parler s'il te plaît? J'ai pas trop le temps là. Mais attends. À quoi tu joues, Rose? Comment ça, à quoi je joue? Garde tes distances avec elle, c'est pas une fille fréquentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est bizarre, c'est tout. Elle a frappé un garçon parce qu'il est souriait trop près, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Ah, mais il l'avait insulté. Mais bien entendu, il y a que des innocents en prison, on connaît bien. Je te dis juste qu'elle est insolente et agressive, c'est tout. Et en plus, elle est... Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est homo, c'est ça? C'est ça que vous alliez dire, elle est homo. Elle est homosexuelle, et alors? C'est quoi le problème? C'est un crime depuis quand, là? En pleine semaine du respect? Bravo, franchement, chapeau. Bravo les préjugés, hein. Mais de quoi je me mêle, mademoiselle Habib? Je me mêle que c'est parce qu'on est différent, qu'on n'est pas fréquentable, c'est clair, ça? Quel crétin, celui-là. Bon, ça y est, t'as compris? Ouais, elle est sympa. Même avec ses herbes d'Anna un peu rebelle, elle est... très sympa. Merci. J'ai cru que j'allais finir par exploser à force de pas pouvoir en parler. Mais ça que je comprends pas, pourquoi tu nous en parles pas, Rose? Tu sais bien qu'on va pas te juger. Parce que j'arrive pas. Franchement, ça m'énerve, je te jure, je croyais que je réussirais à assumer que je m'en foutrais du regard des autres, mais non. Oui, mais en même temps, c'est normal, de voir, c'est ton cousin. Et les familles, c'est jamais facile. En plus, tu sais bien comment il est borné. Et puis j'ai pas envie d'être la nana que tout le monde monte du doigt. Regarde, rien que cette histoire avec Gaëlle, il y a toujours un connard pour la ramener. Moi j'ai envie qu'on me foute la paix. Hein. Alors ça y est, là, c'est sûr que t'aimes vraiment les filles. Je sais pas. Bon, tout ce que je sais, c'est que j'aime Gaëlle et que j'ai besoin de temps. Je te jure, j'ai tout gâché, elle répond même plus à mes messages. Mais alors ça, tu vois, je pense que ça peut s'arranger. Pourquoi? Bon, les filles, je vais parler entre vous, hein. Surtout, prenez votre temps, moi, je m'occupe de Morgane, ok? Tu l'aurais entendu plaider ta cause. Elle t'aime beaucoup. Ouais, mais toi aussi, elle t'aime beaucoup. Tu m'en veux encore? Amel m'a dit que t'étais mal. Non, mais c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié comment tu m'as jeté devant l'autre tâche de CPE. Mais non, j'aurais pas dû me barrer et te laisser. En plus, je sais très bien ce que c'est. Je suis passée par là aussi et je sais très bien que c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Bah, on va se voir en douce. Ça va être marrant. Puis, quand on voudra être tranquille, bah, on se donnera rendez-vous ici. Enfin, si tu veux bien. Comme ça, ça te laissera tout le temps que t'as besoin pour officialiser notre couple. Notre couple? Bah oui, notre couple. Mais tu crois qu'on est quoi, sinon? Puis moi, ça va me plaire beaucoup qu'on sorte ensemble devant le nez de tous les autres. Ça va être un secret très, très, très excitant.
Tiens, je t'ai apporté une tarte aux pommes, je t'aime bien. Ah bah merci. Ça te va bien la veste, tu devrais en mettre plus souvent. Ça va ? Merci. Toi aussi, t'es particulièrement jeune aujourd'hui. Merci. T'es tout le temps. Ouais, t'es bien. Tiens, toutes les nuits, mais j'ai rien vu. De quoi ? T'as pas vu quoi ? Toi et Rose. Vous sortez ensemble ? Quoi ? Ah non. Oh là ! Attends, si. Mais si, t'as raison, ils sortent ensemble. Mais ça va pas. Si, vous sortez ensemble. N'importe quoi. Mais vous sortez ensemble, c'est clair comme de l'eau de roche, mais attends. Non. Et toi, n'importe quoi. Caché derrière ma fille légère image. Dans mon costume, je maquille mon visage. Vous ne pouvez me connaître vraiment. Les paroles, je sais pas, les paroles, je trouve qu'il y a un truc qui va pas dans les paroles. Y'a quoi les paroles ? Je sais pas, ça manque de... Je sais pas, y'a des rimes qui tombent pas bien, ça marche pas quoi, il faut travailler. Mais qu'est-ce que vous avez tous là en ce moment ? Je vous ai un petit truc avant qu'on s'en aille là. Depuis qu'on a monté le groupe, j'ai quand même progressé vocalement, non ? Alors, j'ai pensé que si je travaillais plus, je pourrais encore plus progresser, et donc je pourrais peut-être prendre mes cours de chant. Bah ouais, c'est une bonne idée. Et comme ça, je pourrais les financer avec l'argent que je gagne en tant que serveuse. Attends, là, tu rêves, hein. Amputer la précieuse canne de Milo, à mon avis, c'est foutu. Non, au contraire, c'est une bonne idée. Quoi ? Ah oui, d'accord, alors moi, je ramène pas de fric, je me fais engueuler et elle pompe dedans et on lui dit rien, c'est ça ? Ça n'a rien à voir, si elle prend des cours de chant, c'est pour améliorer la qualité musicale du groupe. Toi, qu'est-ce que tu fais pour améliorer le groupe ? Bah, j'écris. Ouais. Bon, à tout à l'heure, hein. Disons que je sors pas vraiment avec Rose malgré les maudits qui circulent. Hein ? Ouais. Bon, toi par contre, t'as des trucs à me dire, n'est-ce pas ? Ouais, mais non, pourquoi ? Je vois pas ce que tu veux dire. Ça fait de l'innocente. Quoi, je vois pas, on peut passer tout votre temps ensemble. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que
ça veut dire. Vous parlez, vous racontez des trucs, non? De toute façon, on parlait de lui. Lui? Mais qui c'est lui? Qui c'est? Son mec. Non, s'il te plaît, sois sympa. Je suis en train de péter un cœur, j'essaie de deviner qui c'est depuis ce matin, mais je trouve pas. Ok, bah, je vais te donner un indice alors. Mais top secret. Ce que je peux te dire, c'est que l'amour de Rose, tu l'as juste sous les yeux. Ici? Mmh. T'es sûr? À 100% sûr. Mmh. Tu peux me faire confiance. Il y en a des tas de mecs, là c'est lequel, là, dis-moi. Non mais vraiment, t'es juste à côté. Attends, dis pas que c'est Milo. Bon, Sam, tu déranges les autres maintenant, tu retournes à ta place. Tout de suite, je te dis. Bye. Bye, boat, boat. Alors mon gars, t'as une meuf en ce moment? Sérieusement. To eat. Eat, hate, eaten. Toi, t'as une meuf en ce moment? Tu break. Break, broke, broke. C'est moi qui ai demandé en premier, c'est toi qui réponds. Quoi, tu dis quoi? To break, broke, broke. To break, broke, broke. To break, broke, broken. C'est pas ça. N'importe quoi. Hein? Tiens, c'est le logiciel de mixage chant. Qu'est-ce qu'on dit à cette petite Morgane? T'as eu ça où? Ça coûte vachement cher. J'ai eu dans un magasin spécialisé. Tu l'as acheté en vendant ta collection de fringues 2004? Pas du tout, je me suis fait offrir par mes parents. Depuis qu'ils voient que ma nouvelle lubie pour la musique ça dure, et bah, ils seraient carrément capables de m'acheter un studio d'enregistrement si je leur demandais. Bah qu'est-ce que t'attends pour leur demander alors? Non mais j'exagère, c'est une image, tu vois ce que je veux dire. Bon alors, après ça t'oses encore dire que je fais rien pour le groupe? Non. Enfin tu remercieras tes parents, heureusement qu'ils sont là. T'es vraiment con. Hein. Je suis pas obligée de vous le faire, ce cadeau. T'es un peu fort. Toulouse. Lose, lose, loser. Toulouse, lost, lost. Je sais. Tu vas où? Nulle part, et toi? Nulle part. Ok! Je peux vous aider? Vous devriez être au réfecteur, là, à cette heure-ci, là, non? Qu'est-ce que vous foutez là? Du tourisme. Hé. Hey. J'ai parlé pendant mon sommeil, là, c'est fou. Cherche. Je cherche, là, ça fait 10 fois que tu retournes la chambre, ça sert à rien, tu comprends pas. Là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez appelé? Ce qui se passe, c'est que on est persuadé d'avoir rangé un CD dans un tiroir, hier. Et que ce matin, là, il est plus. Alors un boîtier, ça disparaît pas comme ça, vous êtes d'accord? Ouais. Il y a forcément quelqu'un qui est venu cette nuit ou je sais pas comment pour nous le voler. Reste à savoir qui, Sherlock. Ouais. Ok. Bon, en attendant, vous avez une demi-heure pour me ranger ça, là. Hein. Et puis pour votre voleur, là, j'ai ma petite idée. Ok? Ah, Stener, votre caleçon, là, ça fait 4 jours. C'est un peu beaucoup, non? C'est pas faux. Moitié, dans mon bureau tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai dit dans mon bureau, c'est un ordre. Et ben c'est dans ton moitié. Hein. Non? Pas tant que vous m'aurez pas dit ce que j'ai fait. Parfait. Si vous préférez régler ça devant vos copines, vous avez volé un CD-ROM dans la chambre des garçons. Quoi? Non mais attends, elle c'est quoi cette connerie? Qui c'est qui vous a dit ça? Je l'ai pas volé votre CD-ROM. Trouvez quelqu'un d'autre. Eh ben dans ce cas, vous allez me dire ce que vous faisiez à l'internat quand je vous ai surprise en train de fureter. J'avais oublié quelque chose dans la chambre d'une amie. Ça vous va comme explication? Vous n'allez pas rigoler longtemps, moitié. Je peux vous le dire, vraiment. D'ailleurs, je vais me passer de vos aveux. Allez, on y va. Non mais attends, qu'est-ce que tu vas faire, là? Hé! Vous savez qu'accuser quelqu'un sans preuve, ça s'appelle des préjugés? Vous êtes au courant de ça, non? Habib, 2 heures pour insolence. Je t'avais prévenu. Non mais c'est à cause de moi ce qui vient de se passer, là. Pourquoi j'arrive pas à lui dire qu'on est ensemble? J'arrive pas à assumer. Assumer quoi? Non, rien. Rose, attends! Rose! Qu'est-ce qu'ils ont tous là en ce moment?
Amel, tu vois quoi là, hein? Bah quoi toi? Ah bah enfin! Ça fait une semaine que j'ai l'impression d'être la femme invisible. À croire que tout le monde dans le groupe est important, sauf moi. Alors que je fais des trucs, je travaille, mais je sais pas, je suis transparente. Tu parlerais pas un petit peu là? Non mais jure-moi qu'avec Rose y'a rien, que c'est moi qui me fais des films. Ok. Ok, je te le dis, mais tu me jures que tu répètes pas. Disons que Rose et Gaëlle sont ensemble. Gaëlle? Chut. Non mais c'est énorme comme scoop ça. Et pourquoi ils le disent pas? Bah tu sais bien que Bobor il déteste Gaëlle et ça bloque un peu Rose. En plus Bobor j'ai déjà essayé de lui en parler et ça fait qu'aggraver les choses. En plus je sais pas, il accuse Gaëlle d'avoir volé un truc dans l'internat. C'est des roms ou un truc comme ça. Attends, tu veux dire celui que j'ai été récupéré dans la chambre des garçons? Non. Bah écoute, je crois que tu vas pouvoir te rendre utile Morgane. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû te parler comme ça, je suis désolée. J'étais bête et méchant. Non, mais c'est moi, je te dis. Non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, c'est toi, c'est moi, ça y est, stop, là. Ça fait 20 minutes. J'ai un rendez-vous, moi. Et pour Gaëlle, vous allez faire quoi? Pour Mademoiselle Mautier, c'est classé, ok? Stop. Par contre, vous allez visiter encore l'internat pendant 2 semaines. Puis il y a plein de monuments que vous avez pas vus encore ici. Hein? Local d'entretien, KGB, water closet, c'est très bien. Oui, allô? Je suis là dans 5 minutes. A tout de suite. Vous pouvez le reprendre, votre CD. Hein. Si vous voulez que j'en fasse. Oui. Non, je suis là. Non, je peux pas l'accepter. Vas-y. Mais t'inquiète pas, il va changer d'avis. Il me l'a envie de le tester, ton petit bijou. En fait, Morgane, je voulais te dire, au sujet de Rose, je... Ça va, laisse tomber. Je sais que tu sors pas avec elle. D'ailleurs, je peux même te dire que t'es pas vraiment son type de mec, si tu veux savoir. Hein. Ah non? Comment tu sais ça, toi, madame? Je sais tout. Dernière nouvelle, j'ai vu aucun mec rôder autour d'elle. Hein. Bah évidemment qu'il y a aucun mec ressort avec Gaëlle. J'ai une chance qu'il ait rien entendu. Mais... Ça vous parle ou pas? Ah, oui, ouais, on est sèche. Vas-y, on essaie. Et 3, 4, 4. 10. Ça vous dérange si Gaëlle, elle assiste à la répète? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, en fait, ouais. J'ai oublié de te dire, je pense qu'ils sont au courant pour vous deux. Non mais franchement, respirez les gars, ça va, hein? Vous imaginez Rose avec moi, franchement, c'est n'importe quoi, hein? Oh voilà, Gaëlle et moi, on sort ensemble, comme ça, c'est clair, c'est dit. Vous avez des questions, non? En fait, si j'ai une question... Non, c'est pas drôle, hein. Est-ce que c'est grave si j'ai gaffé devant vos bords? Dis, qu'a-t-on fait de notre amour? Qu'a-t-on fait jour après jour? Pour que tout parte en fumée, envolé par les pieds, moi, ici, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait de notre amour? Notre histoire a tourné court. Parti en fumée, envolé, balayé, noyé, dis qu'à ton père. Nous nous sommes enivrés, adorés, encensés. Tant de folies et tant de projets, nous nous sommes admirés. Nous nous sommes ignorés, détachés, détestés. Nous qui pensions que tout était si parfait, yeah, yeah. Ouais, je sais, respect, ouais. Mais quand même, ça fait chier. Fait chier.